state of shock is not just what happens to us when something bad happens. It's what happens to us when we lose our narrative, when we lose our story, when we become disoriented. What keeps us oriented and alert and out of shock is our history. So a period of crisis like the one we're in is a very good time to think about history, to think about continuities, to think about roots. It's a good time to place ourselves in the longer human story of struggle. L'histoire a commencé le 1er juin 1951, le jour où des membres des services de renseignement occidentaux rencontrèrent en grand secret des universitaires à l'hôtel Ritz-Carlton de Montréal. Cette réunion allait lancer un programme de recherche sur la privation sensorielle à l'université McGill, programme financé par l'armée. Sensory deprivation really is a way of producing extreme monotony. It causes loss of critical capacity, the thinking is less clear. The subject complains that he can't even daydream. When you have college students that can't daydream, they're in a bad way. I began to think while we were doing our experiments that it's possible that something that involves physical discomfort or even pain might be more tolerable than simply the deprivation conditions that we studied. Ebb décida de cesser de travailler sur le programme. But I had no idea when I suggested that what a vicious weapon, potentially vicious weapon, this could be. These are the days and hours are the occasions. Mais les expériences se poursuivirent sous la direction du chef du département psychiatrie, l'ambitieux docteur Ewen Cameron. What he did was much more than what we had done. We did our work strictly with the understanding that the subject could get up and walk out at any point he wished to, and some of them did. Les patients de Cameron n'eurent pas cette chance. L'Institut Allan, qui abritait les services de Cameron, devint une prison macabre, où le psychiatre se livrait à d'étranges expériences sur ses patients. Cameron voulait déstructurer ou nettoyer l'esprit de ses patients, de façon à pouvoir les reconstruire à partir de zéro. Janine Huard était une jeune mère de 4 enfants, et elle souffrait de dépression post-natale. I used to shiver when they told me about you're going to get a shock treatment tomorrow. I used to shiver. I was so scared of it. And I would wake up in another room, all mixed up and sad, and it used to make me very sad after. You're just like a zombie walking around. Cameron combinait électrochoc, cure de sommeil et messages enregistrés passés en boucle. It says, Janine, you are running away from your responsibility. You don't want to take care of your husband and children. All the time, the same thing. It sounds like you were being interrogated. Yes, interrogation, but. For what purpose? Il ne fallut pas longtemps à la CIA pour mettre en pratique les expériences de Cameron. De nombreuses techniques du docteur figurent dans le Kubark, le manuel d'interrogatoire de l'agence. Les phrases suivantes en sont tirées. It's a fundamental hypothesis of this handbook that these techniques are in essence methods of inducing regression of the personality. There is an interval, which may be extremely brief, of suspended animation, a kind of psychological shock or paralysis. Experienced interrogators recognize this effect when it appears and know that at this moment the source is far more open to suggestion, far likelier to comply than he was just before he experienced the shock. À l'époque où Ewen Cameron menait ses expériences à Montréal, l'adepte d'un autre type de choc exerçait ses talents pas très loin de là. Milton Friedman enseignait l'économie à l'université de Chicago. Il croyait qu'une thérapie de choc appliquée à l'économie
pousserait la société à accepter une forme plus dérégulée du capitalisme. En octobre 2008, au paroxysme de la plus grave crise financière depuis 1929, Naomi Klein se rendit à l'université de Chicago pour tenir une conférence sur Milton Friedman. When Milton Friedman turned 90, the Bush White House held a birthday party for him. And everyone made speeches, including George Bush. But there was a really good speech that was given by Donald Rumsfeld. My favorite quote in that speech from Rumsfeld is this. He said, Milton is the embodiment of the truth that ideas have consequences. What I want to argue here is that the economic chaos that we're seeing right now on Wall Street and on Main Street and in Washington stems from many factors, of course, but among them are the ideas of Milton Friedman. Le krach de Wall Street en 1929 entraîna la Grande Dépression des années 30. Au cœur de la thèse de Friedman, il y a son opposition au New Deal que le président Franklin Roosevelt décrivit dans son discours d'investiture. Our greatest primary task is to put people to work. This is no unsolvable problem if we face it wisely and courageously. Let me assert my firm belief that the only thing we have to fear is fear itself. Influencé par les idées de John Keynes, Roosevelt lança un vaste programme d'emploi dans les services publics afin de résorber le chômage. Today, depression is a fading memory. Millions of men and women have found employment and with it confidence and hope. Ce ne fut pas si simple. La dépression dura jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Mais après la guerre, le plan Marshall répandit en Europe le modèle keynésien de régulation et d'intervention de l'État. Les principes de Keynes étaient largement acceptés dans la société, mais pas au département d'économie de l'Université de Chicago. Milton Friedman, from this university, waged a war against the New Deal. Friedman était membre d'un petit groupe appelé la Société du Mont Pèlerin, dirigé par l'économiste autrichien Friedrich von Hayek. Ses membres affirmaient que si l'État cessait de fournir des services et cessait de réguler les marchés, l'économie se corrigerait d'elle-même. Dans les années 50, personne ne les prenait au sérieux. Mais ces 30 dernières années, leurs idées sont devenues la doctrine dominante en économie. The thesis of the shock doctrine is that we've been sold a fairy tale about how these radical policies have swept the globe. That they haven't swept the globe on the backs of freedom and democracy, but they have needed shocks, they have needed crises, they have needed states of emergencies. Milton Friedman understood the utility of crisis. Only a crisis, actual or perceived, produces real change. When that crisis occurs, the actions that are taken depend on the ideas that are lying around. C'est au Chili que les disciples de Friedman apprirent pour la première fois à exploiter un choc ou une crise de grande ampleur. Usually, the official storytellers of neoliberalism, the official publicists, don't even mention Chile. They start the story with Thatcher and Reagan because it's much more flattering that way. Dans les années 50 et 60, les politiques progressistes de développement mises en œuvre au Chili étaient un exemple pour tous leurs voisins. L'État investissait dans la santé, l'éducation et l'industrie. Les sociétés américaines commencèrent à s'inquiéter pour leurs investissements. La réaction du département d'État américain fut de financer les études des étudiants chiliens et sud-américains afin qu'ils puissent venir étudier l'économie de marché auprès de Milton Friedman. The University of Chicago had a joint arrangement with the Catholic University of Chile under which a great many Chilean students came to the University of Chicago, were trained by us and received PhDs. Ces étudiants retournèrent au Chili pour y enseigner. Le département économie de l'Université catholique de Santiago devint une mini-école de Chicago. Arnold Harberger, l'économiste responsable du programme, se décrivait lui-même comme un missionnaire dévoué corps et âme. En 1970, le gouvernement d'unité populaire de Salvador Allende remporta les élections en présentant un programme de nationalisation de larges secteurs de l'économie.
La compagnie de téléphone chilienne appartenait en majorité à une compagnie américaine, ITT, qui fut à la pointe du combat pour empêcher l'élection d'Allende. ITT avait le soutien de Richard Nixon à la Maison Blanche. I was not there, but I can tell you what we now know to be a fact. He ordered the CIA to prevent Allende from assuming the presidency. And indeed, they tried to get me to lean on the Chilean military right after Allende was elected. Malgré tous les efforts de la CIA, Allende fut officiellement déclaré président. Richard Nixon donna l'ordre au directeur de la CIA de faire hurler l'économie. Señor Nixon es presidente de Estados Unidos, yo soy presidente de Chile. Yo no tendré un término despectivo contra el señor Nixon mientras el señor Nixon respete al presidente de Chile. On lança les préparatifs d'un coup d'état militaire. Les Chicago Boys chiliens élaborèrent un programme économique de 500 pages, la brique. Grâce à des fonds américains, on fit tout pour déstabiliser l'économie. Les chauffeurs routiers firent grève, paralysant l'ensemble des usines et des magasins. Il y eut une première tentative de coup d'État le 29 juin 1973. Et puis, le 11 septembre, l'armée commandée par le général Pinochet prit d'assaut le palais présidentiel. Cela faisait 41 ans que le Chili vivait dans une démocratie pacifique, quand elle fut brutalement renversée par la violence. Pinochet et ses partisans décrivirent ce putsch comme une guerre. Il en avait en effet tous les aspects. Ce fut le précurseur chilien de l'opération Choc et Terreur. Armadas y de orden, solo bajo la inspiración patriótica de sacar al país del caos que en forma aguda lo estaba precipitando el gobierno marxista de Salvador Allende. Les Chicago Boys remirent leur programme économique, la brique, à Pinochet. Dans les jours qui suivirent, plus de 13 000 opposants furent arrêtés et emprisonnés. Des milliers de prisonniers furent enfermés dans le stade national. Beaucoup furent torturés. Dans le monde entier, on parlait du Chili. ¿Cuántas personas? Début novembre, 5000 prisonniers furent relâchés. Les 900 hommes qu'ils laissaient derrière eux furent transférés dans d'autres centres de détention. Moins
moins d'un mois plus tard, la FIFA autorisait le Chili à disputer un match qualificatif pour la Coupe du Monde dans ce même stade. Leur adversaire, l'Union soviétique, refusa d'y jouer. Le Chili fut autorisé à marquer dans un but vide et put ainsi disputer la Coupe du Monde 1974. Une grande position, c'est le gol de Chava Gualdeo, le Galo Reynoso. Ah, parce qu'ils furent tocando sin adversario hasta el otro lado. Pinochet imposa à une population sous le choc la politique recommandée par les Chicago Boys. Fin du contrôle des prix, privatisation des entreprises publiques, suppression des taxes à l'importation et coupes dans les dépenses publiques. Plus tard, Friedman reconnut ouvertement l'importance de l'expérience chilienne. Here was the first case in which you had a movement toward communism, which was replaced by a movement toward free markets. Ce fut un échec. Un an plus tard, l'inflation s'élevait à 375% par an. C'était la plus forte au monde. Alors, en mars 1975, Arnold Harberger et Milton Friedman s'envolèrent pour Santiago. He used a phrase that had never before been used in a real-world economic crisis. He called for shock treatment. He said that he was like a doctor that was going to help a country that was suffering an epidemic, and he was simply prescribing the medicine. Friedman écrivit que le général Pinochet était séduit par l'idée d'un traitement de choc, mais qu'il était clairement effrayé par le chômage provisoire qui pourrait en découler. Il devint rapidement évident que la politique économique de Friedman bénéficiait aux riches au détriment des pauvres. On a calculé qu'une famille qui essayait de survivre avec un salaire moyen devait consacrer 74% de ses revenus à l'achat du pain. Les tickets de bus ou le lait étaient devenus un luxe. Pinochet supprima la distribution gratuite de lait à l'école, une mesure qui fit écho à la politique controversée d'une jeune ministre de l'Éducation en Grande-Bretagne, qui devint plus tard son amie. Pour mettre en œuvre cette politique économique, il fallait avoir un ennemi à craindre. Tampoco creo que se haya triunfado totalmente sobre el marxismo. El marxismo es como un fantasma. Cuesta mucho tomarlo. Mejor dicho, no se puede tomar. Friedman et Harberger soutenaient que l'économie de marché était inséparable de la liberté et de la démocratie. Mais au Chili, où leurs idées étaient mises en application dans le contexte d'une dictature militaire, c'est le contraire qui était vrai. De nombreux Sud-Américains établirent un lien direct entre les chocs économiques qui appauvrissaient des millions de gens et l'épidémie de torture infligée à ceux qui croyaient en une société différente. L'un d'entre eux était Orlando Letellier. Letellier avait été l'ambassadeur d'Allende à Washington. Il passa une année entière dans les prisons de Pinochet avant d'être exilé aux États-Unis. Voici ce qu'écrivait Letellier en 1976. Ce plan économique a dû être imposé par la force et dans le contexte chilien, cela ne pouvait être obtenu que par l'assassinat de milliers de personnes, l'établissement de camps de concentration dans tout le pays et la détention de plus de 100 000 personnes en 3 ans. Moins d'un mois plus tard, Letellier fut tué dans un attentat à la bombe. Good evening. A powerful bomb today tore through a car as it was driving along Washington's usually quiet Embassy Row. The Chilean was Orlando Letellier, who also had been foreign minister during the last months of the late Salvador Allende's Marxist regime. Richard Roth reports. Un membre de la police secrète de Pinochet, Michael Townley, était derrière l'attentat. Il était entré aux États-Unis grâce à un faux passeport avec l'accord de la CIA. Michael, buenas noches. Buenas noches, Pablo. La opinión del Poder Judicial chileno, ¿hay confianza en él? Mire, yo
Confío plenamente en la justicia chilena como patriota y luchador antimarxista y juntista por sobre todas las cosas. Malgré sa confiance, Thornley fut extradé aux États-Unis et condamné pour le meurtre de Letellier. Au Chili, la dictature militaire de Pinochet dura 17 ans. Et pourtant, Harbinger refusait toujours de voir la réalité. You cannot have a repressive government for long within a genuinely free economic system. L'année même où Orlando Letellier fut assassiné, Milton Friedman reçut le prix Nobel d'économie. I don't, you know, you people have such a distorted idea of what went on. Let me tell you some facts. Number one, I was offered two honorary degrees by universities in Chile before I went down. I refused to take them because those universities were being supported in part by public funds, and I did not want to appear in any way to provide any support to the political system in Chile. I'm not a representative of Chile. I'm not an advisor to Chile. I have no commitments to the government of Chile. I now turn to you, Professor Milton Friedman. I am very sorry for this incident. It could have been worse. What I'm trying to do in The Shock Doctrine is tell an alternative history of how this savage stream of pure capitalism that we've been living, capitalism unrestrained, came to dominate the world. Le Chili n'était pas le seul pays d'Amérique latine qui suivait la politique préconisée par l'école de Chicago. Les disciples de Friedman tenaient des postes clés au Brésil et ils conseillaient le gouvernement uruguayen. Le 24 mars 1976, un putsch militaire renversa le gouvernement d'Isabel Perón en Argentine. Une junte de trois généraux dirigée par le général Videla prit le contrôle du pays. Les Chicago Boys décrochèrent des postes économiques très importants au sein du gouvernement militaire. Ils profitèrent de l'occasion pour effectuer des changements majeurs dans la vie économique et sociale. Moins d'un an après le coup d'État, les salaires avaient perdu 40% de leur valeur. Les usines fermaient. La pauvreté se multipliait. Comme au Chili, il a fallu terroriser la population pour lui faire accepter ces mesures économiques. Videla avait appris de Pinochet. Il adopta la tactique des disparitions. Mélange de terreur publique et privée, ces disparitions étaient souvent exécutées en plein jour, mais elles pouvaient toujours être niées. Que no buscamos ni provocamos son de nombreuses techniques utilisées par les militaires chiliens et argentins leur avaient été enseignées à l'école des Amériques, dirigée par les États-Unis. Torture techniques taught from rape to derobing to torture with pointed objects, breaking of extremities, poking eyes out, branding. In Latin America, there are various regimes which at the moment are abusing human rights. Political murder, torture, deportations, imprisonment without trial. Using the techniques they may have learned in this establishment. You may be right. If you can say that the skills which we've taught here have been applied, I can't deny that. The use of torture of a known enemy soldier to gain some kind of military advantage, I think is justifiable and smart. To go beyond that, to use torture techniques merely to intimidate people is completely wrong, unethical and immoral. Mais en Argentine et au Chili, ces techniques de torture ne furent pas utilisées seulement sur des soldats ou sur des terroristes, mais sur des étudiants, des syndicalistes,
et sur tous ceux qui s'opposaient à la politique économique ultralibérale du régime. En 1978, la junte accueillit la Coupe du Monde en Argentine. La finale se joua dans un stade situé à 1 km à peine du plus grand centre de détention du pays, où des milliers de prisonniers étaient torturés. Decir que con los goles, con el grito de gol, se tapaba la voz de los secuestrados, los gritos de los secuestrados, era una realidad. Et l'Argentine poussa le régime de la terreur encore plus loin que le Chili. Parmi les disparus se trouvaient des centaines de femmes enceintes. On les laissa accoucher avant de les exécuter. De todas aquellas mujeres que estaban embarazadas, les permitieron tener a sus hijos para una vez que nacieran sacárselos. Y eso sucedió con 500. Yo soy uno de esos 500. Ces enfants, qui pour beaucoup d'entre eux furent élevés par des familles liées à l'armée, rappelaient clairement le projet de la junte qui visait à reconstruire la société tout entière. Alors que la junte était toujours au pouvoir, des mères et des grands-mères de disparus commencèrent à manifester sur la place de Mai. Elles se firent détectives et se lancèrent à la recherche des enfants disparus. Après l'effondrement de la junte, certains enfants furent retrouvés et rendus à leur famille. Parfois, on trouvait leurs restes. La plupart du temps, on ne retrouvait rien. Le général Videla fut reconnu coupable de meurtre, d'enlèvement et de torture. Il fut condamné à la prison à perpétuité. Now, these early experiments in Latin America presented Friedman and his cohorts with a serious ideological problem. Friedman had promised that these policies would not just make the elites richer, but that they would create the freest possible societies, that this was a war against tyranny, that capitalism and freedom went hand in hand. Yet here we see that in the 70s, the only countries putting these ideas into practice were military dictatorships. Nixon had fully supported imposing these types of brutal free market policies in South American dictatorships. But when it came to domestic economic policy in the United States, where Nixon had to worry about getting re-elected, it was a very, very different story. Friedman entretenait d'excellentes relations avec Nixon. Plusieurs de ses collègues et disciples de l'école de Chicago avaient été recrutés pour travailler au sein du gouvernement. Donald Rumsfeld était l'un d'entre eux. Mais en 1971, en plein marasme économique, Nixon tourna le dos aux idées de Friedman et imposa une politique de contrôle des salaires et des prix. Rumsfeld fut chargé de l'appliquer. I have for long been opposed to the wage and price control. I believe it involves government intervention with the freedom of individuals. I think it's intolerable. Cette politique keynésienne fut un succès et Nixon fut réélu pour un second mandat à une écrasante majorité. C'était un camouflet pour Friedman. Puis, en 1979, Margaret Thatcher fut élue Premier ministre du Royaume-Uni. Son gourou intellectuel était l'ancien mentor de Milton Friedman, Friedrich von Hayek. Et à peine un an plus tard, Ronald Reagan était élu président des États-Unis.
La Grande-Bretagne et les États-Unis étaient désormais dirigés par des Friedmaniens sans état d'âme. Margaret Thatcher's program when she came in had four planks. Cut government spending, cut tax rates, reduce government ownership and operation of industries or regulation of industry, and have a moderate and stable monetary policy to bring down inflation. Après ces trois premières années au gouvernement, le chômage avait doublé dans certains secteurs de l'économie, déclenchant des vagues de grève. La cote de popularité de Thatcher avait chuté de 25%. Des émeutes éclatèrent dans les grandes villes du royaume. Même les admirateurs de Thatcher se posaient des questions. The economic performance of the Thatcher government has been mixed. To those waiting with bated breath for that favorite media catchphrase, the U-turn, I have only one thing to say. U-turn if you want to. The ladies, not for turning. Friedrich von Hayek exhorta Thatcher à imiter la thérapie de choc économique de Pinochet. Thatcher répondit, en Grande-Bretagne, vu nos institutions démocratiques et la nécessité d'un fort consensus, certaines des mesures adoptées au Chili sont tout à fait inacceptables. Thatcher's profound unpopularity seemed to be proving once again that free market fundamentalism was simply too unpopular, too directly harmful to too many people to survive in a democratic state where governing requires getting the consent of the governed, unlike a military dictatorship. What pulled Thatcher back from the abyss and ultimately saved the project was a crisis. Indeed, it was the ultimate crisis. It was a war. We are here because for the first time for many years, British sovereign territory has been invaded by a foreign power. The government has now decided that a large task force will sail as soon as all preparations are complete. HMS Invincible will be in the lead. La plupart des Britanniques n'avaient jamais entendu parler des îles Malouines. Mais quand l'Argentine envahit ce petit archipel perdu à des milliers de kilomètres dans l'Atlantique Sud, Thatcher sauta sur l'occasion et justifia son surnom de Dame de Fer. Gentlemen, I've just heard that the white flag is flying over Stanley. La guerre fut terminée en moins de trois mois. Quand les troupes revinrent en Grande-Bretagne, une vague de célébrations patriotiques déferla sur le pays. Thatcher remporta les élections de 1983 avec une écrasante majorité. Elle pouvait maintenant lancer une thérapie de choc économique semblable à celle qu'on avait vue au Chili. L'Union nationale des mineurs était alors le plus puissant syndicat britannique. Quand l'Office national du charbon décida de fermer des puits, les mineurs ripostèrent par la grève. Parts of central London are brought to a halt as thousands of miners and sympathizers march through the city in support of the miners' strike. It's Britain's longest and most bitter since 1926 and the most expensive ever. La grève dura presque un an. Thatcher utilisa tous les moyens à sa disposition pour en finir avec le syndicat. Les mineurs finirent par perdre la bataille. Thatcher utilisa sa victoire pour imposer la révolution des Chicago Boys en Grande-Bretagne. On lança des campagnes publicitaires pour promouvoir le gigantesque programme de privatisation. Thatcher vendit l'industrie de l'acier, le service des eaux, les compagnies d'électricité, de gaz, le téléphone, les compagnies aériennes, et le pétrole. Les HLM furent vendus, les services municipaux soumis à adjudication.
En 1986, les systèmes bancaires et financiers furent dérégulés. On parla de Big Bang. No one here tonight needs reminding that the Big Bang is only a beginning. Dans la Grande-Bretagne d'avant Thatcher, un PDG gagnait 10 fois plus qu'un ouvrier. En 2007, il gagnait plus de 100 fois plus. Aux États-Unis avant Reagan, un PDG gagnait 43 fois plus qu'un salarié moyen. En 2005, il gagnait plus de 400 fois plus que ce même salarié. Friedman reconnut ouvertement l'importance de Thatcher et Reagan dans la propagation des idées de l'école de Chicago à travers le monde. The coincidence of Thatcher and Reagan having been in office at the same time was enormously important for the public acceptance worldwide of a different approach to economic and monetary policy. Thank you very much. What I'm describing now is a plan and a hope for the long term. The march of freedom and democracy, which will leave Marxism-Leninism on the ash heap of history as it has left other tyrannies which stifle the freedom and muzzle the self-expression of the people. Now, we all know the fairy tale about the fall of communism, that the West under Reagan and Thatcher looked so prosperous to the people of the former communist bloc that they themselves demanded radical free market policies. Now, this really is a fairy tale. It is true that people who had been living under authoritarian communism genuinely wanted democracy. And it's also true that people wanted to be able to go out and buy blue jeans and have Big Macs. That is true. But that does not mean that they wanted the kind of Wild West capitalism of oligarchs gone mad and no social protections that so many Eastern Bloc countries actually ended up with and suffer under to this day. Thatcher, qui avait fait tout ce qu'elle pouvait pour briser la puissance des syndicats en Grande-Bretagne, se rendit en Pologne en 1988 pour afficher son soutien au syndicat ouvrier Solidarnosc. En Pologne, les grèves amenèrent Solidarnosc à participer aux élections générales de juin 1989. Une vague de manifestations s'ensuivit à travers toute l'Europe de l'Est. Par le passé, l'Union soviétique avait écrasé par la force tout mouvement démocratique. Mais l'Union soviétique avait à sa tête un nouveau type de leader. Mikhail Gorbatchev était engagé à fond dans la glasnost et la perestroïka. Il parlait d'une troisième voie, d'une transition progressive vers une social-démocratie à la Scandinave, quelque chose qui serait situé entre l'économie de marché capitaliste et le communisme. Gorbatchev plaisait au public et aux politiciens occidentaux. He's a bold, a determined and courageous leader. Gorbatchev regarda sans broncher les vieux régimes communistes s'effondrer les uns après les autres. À la fin de l'année, le plus célèbre symbole de la division de l'Europe s'écroulait. Pour Friedman et les Chicago Boys, c'est un nouveau monde qui s'ouvrait. En Union soviétique, Gorbatchev espérait pouvoir réformer l'économie en douceur. En 1991, il fut invité à la réunion du G7 à Londres. Il en attendait un soutien financier pour ses lentes réformes économiques. Mais on lui répondit qu'à moins de se lancer dans une thérapie de choc radical, il ne recevrait aucune aide. Le mois suivant, une tentative de coup d'État dirigée contre Gorbatchev éclata à Moscou. Les tenants de la ligne dure au sein du Parti communiste firent arrêter Gorbatchev dans sa maison de vacances en Crimée. Les tanks encerclèrent la Maison Blanche, le Parlement russe.
chaos of street clashes. It was obvious that to reinforce their position, the hardliners would have to resort to violence. Such action between the people and the security forces has not been seen since the early days of the Russian Revolution. By dawn this morning, amid a sea of debris, it was becoming clear that the coup was disintegrating. The Russian parliament building was unscathed. The military had not made their move. Inside, Boris Yeltsin was more powerful than ever. Ce fut l'heure de gloire de Boris Yeltsin. Gorbatchev fut libéré et revint à Moscou, mais son pouvoir était très affaibli. Я выражаю признательность за принципиальную позицию россиянам, президенту России Борису Николаевичу Ельцину. En décembre 1991, l'Union soviétique fut officiellement dissoute. Ce fut un choc immense pour le peuple russe. Eltsine avait désormais la haute main sur l'économie au sein de la Fédération russe. L'économie de marché fit son apparition dans le pays. Ce fut le chaos. L'adoption par la Russie des principes de l'école de Chicago marqua une nouvelle étape dans la croisade du marché libre. Il y avait encore tout le choc, mais aucune thérapie. On vantait l'émergence d'un capitalisme populaire. Mais dans les faits, seule une petite poignée d'affairistes amassait des fortunes considérables. Les entreprises publiques furent bradées à des prix ridiculement bas. La presse russe surnomma les conseillers d'Eltsin les Chicago Boys. La thérapie de choc appliquée par Eltsine fut telle qu'en 1992, la consommation moyenne avait chuté de 40% en un an. Un tiers des Russes vivaient sous le seuil de pauvreté et les salaires étaient versés avec des mois de retard. One expert today predicted 140 million Russians will soon be living below the poverty line. La corruption sévissait partout. Le crime organisé explosa. Moscou était devenu le nouveau Far West. La majorité des Russes étaient contre les changements radicaux préconisés par les Chicago Boys. En mars 1993, le Parlement prit une décision cruciale. Il abrogea les pouvoirs spéciaux qu'il avait accordés à Eltsin. Eltsin décréta l'état d'urgence. Mais la Cour constitutionnelle déclara sa décision illégale. Le 21 septembre, Eltsine opta pour la solution Pinochet et fit dissoudre le Parlement. L'Occident pesa de tout son poids du côté d'Eltsine. We feel that Boris Yeltsin is the best hope for democracy in Russia. Deux jours plus tard, le Parlement votait la destitution d'Eltsin par 636 voix contre 2. Des milliers de partisans des parlementaires s'assemblèrent devant la Maison Blanche et marchèrent sur l'immeuble de la télévision. Les partisans du Parlement semblaient l'emporter. Eltsine interrompit ses vacances et rentra précipitamment à Moscou. Cette nuit-là, les troupes d'Eltsine reprirent l'initiative et une centaine de manifestants furent tués.
Le 4 octobre, Eltsine donna l'ordre à ses troupes d'attaquer la Maison Blanche, faisant pilonner le bâtiment même qu'il avait défendu 2 ans plus tôt. Warren Christopher, le secrétaire d'État américain, déclara « Les États-Unis ne soutiennent pas de gaieté de cœur la dissolution du Parlement, mais les circonstances sont exceptionnelles. » Eltsine avait désormais le pouvoir absolu et suivant les conseils de ses Chicago Boys, il développa un capitalisme des copains. On privatisa ce qui restait des entreprises industrielles d'État, en créant au passage une nouvelle classe d'hommes d'affaires milliardaires, dotés d'une énorme influence politique, les oligarques. En 1998, 80% des fermes russes étaient en faillite et 70 000 usines d'État avaient fermé. En 8 ans, le nombre de Russes vivant dans la pauvreté avait augmenté de 72 millions. Et pendant ce temps, Moscou était devenue la ville où l'on trouvait le plus de milliardaires au monde. Good afternoon. Thank you for coming. Today it is my honor to announce that I'm submitting the name of Donald Rumsfeld to be Secretary of Defense. I look forward to serving our country again. Rumsfeld avait déjà été secrétaire d'État à la Défense sous Gerald Ford, quand l'ennemi que l'on était censé craindre s'appelait l'Union soviétique. I'm not saying with certainty that the Russians are coming. I'm saying the trends are here. I'm not saying the Russians are 10 feet tall. I'm saying they used to be 5'3", they're now 5'9½, and they're growing. Désormais, il y avait un nouvel ennemi plus proche. Dans un discours tenu le 10 septembre 2001, Rumsfeld annonça son intention de privatiser une grande partie de l'armée américaine. Milton Friedman aurait été fier de lui. Rumsfeld déclara: le sujet aujourd'hui, c'est un adversaire qui pose une menace sérieuse pour la sécurité des États-Unis d'Amérique. Cet adversaire est l'un des derniers bastions de la planification. Il gouverne en imposant des plans quinquennaux. Cet adversaire vous rappelle peut-être l'ex-URSS, mais cet ennemi-là a disparu. Cet adversaire est plus proche de nous. C'est la bureaucratie du Pentagone. Aujourd'hui, nous déclarons la guerre à la bureaucratie. Le lendemain, le vol 77 d'American Airlines s'écrasait sur le Pentagone, causant la mort de 184 personnes. Where did they come from? Why do they hate us? There was a total loss of collective narrative. We were not living in the world that we thought we lived in. And we kept hearing from our political leaders that everything we thought we understood before the attacks no longer applied. There was a new phrase, pre-9/11 thinking. And what happened in that moment is that suddenly news stories sort of magically appeared. That we were in a clash of civilizations. That's the world that we suddenly lived in. That there was an axis of evil, and that we were fighting a war against terror. Cette guerre abstraite et ingagnable a eu d'énormes retombées économiques. Avant 2001, la sécurité intérieure n'avait rien d'une industrie. Aujourd'hui, elle brasse plus d'argent que toute l'industrie du cinéma et de la musique. Entre le 11 septembre 2001 et l'année 2006, le département de la sécurité intérieure a offert 130 milliards de dollars de contrats aux entreprises privées. C'est le complexe du capitalisme du désastre, une nouvelle économie bâtie sur la peur.
This will be a monumental struggle of good versus evil. The best defense against terror is a global offensive against terror, wherever it might be found. La première phase de cette guerre fut le bombardement de l'Afghanistan. Le gouvernement des talibans fut rapidement renversé. La gestion de l'après-guerre fut plus compliquée. Our fight against terrorism began in Afghanistan, but it will not end there. We're primarily looking at detainees that we can use. We're collecting intelligence. C'est à Guantanamo que, pour la première fois, les techniques du manuel de Kubark furent explicitement et publiquement utilisées par les forces américaines avec l'approbation officielle de la Maison-Blanche. Les images furent diffusées sur les télés du monde entier. Isolation, both physical and psychological, must be maintained from the moment of apprehension. The capacity for resistance is diminished by disorientation. Prisoners should maintain silence at all times. They should never be allowed to speak to each other. Parmi ces prisonniers, il y avait Asif Iqbal, Rual Ahmed et Shafiq Rasoul de Timpton en Angleterre. Ils furent détenus plus de 2 ans à Guantanamo avant d'être relâchés sans qu'aucune charge ne soit retenue contre eux. Mentally, yeah, you couldn't speak to nobody, you couldn't do nothing, you couldn't stand up. And just sitting there, you'd be in your thoughts all the time thinking what the hell's going on, where the hell am I? Are we going to be staying here for the rest of our lives? Are we going to be going back home? Will we ever see our family again? Sur les 779 prisonniers qui ont été détenus à Guantanamo, seulement 3 ont été reconnus coupables d'un crime. Well, the only thing I know for certain is that these are bad people. It was a message to the whole world. And the message was clear. It was, this is what happens to you if you get in our way. The war on terror is not about one man, and it is not about one country. De nombreuses raisons furent avancées pour justifier l'invasion de l'Irak. Mais si les États-Unis avaient vraiment voulu attaquer un pays où se cachaient sans doute les chefs d'Al-Qaïda, un pays qui possédait l'arme nucléaire et qui vendait cette technologie nucléaire à d'autres pays, alors c'est le Pakistan qui aurait dû être visé. Le Pakistan entretenait des relations étroites avec les talibans et il était dirigé par un dictateur militaire. Mais George Bush choisit comme cible l'Irak, un pays qui possédait les 3e plus grandes réserves de pétrole au monde. Now about the Defense Department's war plan. It is not like that for the Gulf War. It's more along the lines of the Panama invasion of 1989. CBS News has been told it would start on what's called A-Day. A as in airstrikes. Airstrikes so devastating, they would leave Saddam's soldiers unable or unwilling to fight. The idea is to rain down the thunder so hard as to create, quote, shock and awe. If the Pentagon sticks to its current war plan, one day in March, the Air Force and Navy will launch between 300 and 400 cruise missiles at targets in Iraq. More than were launched during the entire 40 days of the first Gulf War. The sheer size of this has never been seen before, never been contemplated before. Harlan Ullman is one of the authors of the shock and awe concept, which relies on large numbers of precision-guided weapons. So that you have this simultaneous effect, rather like the nuclear weapons at Hiroshima, not taking days or weeks, but in minutes. You also take the city down. By that I mean you get rid of their power, their water, and you begin this relentless campaign to wear them down so that 2, 3, 4, 5 days they are physically, emotionally, and psychologically exhausted. Last night, a square mile in central Baghdad seemed like hell on earth. Pendant la première vague des bombardements, les habitants de Bagdad subirent une version de la privation sensorielle décrite dans le manuel de Kubark.
Dans le chaos qui suivit le renversement de Saddam Hussein, les États-Unis ne firent pas grand-chose pour faire cesser le pillage. Certains responsables américains pensaient même que cela leur facilitait le travail pour démanteler l'État irakien. John Agresto, chargé de la reconstruction des universités, déclara qu'il voyait le pillage des écoles comme une bonne occasion de tout reprendre à zéro. En réalité, avant les sanctions, l'Irak avait le meilleur système éducatif de la région. 89% des Irakiens étaient alphabétisés. Par comparaison au Nouveau-Mexique d'où venait John Agresto, 46% de la population était techniquement illettrée. In Iraq, you had three distinct forms of shock that were all working together and reinforcing each other. You had the shock of the war, which was immediately followed by economic shock therapy imposed under Paul Bremer. And as resistance to that economic transformation, that very rapid economic shock grew, you had the shock of enforcement, including torture. Three different kinds of shock. En mai 2003, Paul Bremer fut nommé administrateur américain en Irak. Deux semaines après son arrivée, il déclara le pays ouvert aux affaires. We considered that the coalition had very broad authorities to determine the direction of the Iraqi economy. Bremer ne connaissait pas grand-chose à l'Irak, mais il connaissait bien le capitalisme du désastre. Dès le début du boom de la sécurité intérieure, il s'était lancé comme expert conseil dans le domaine des mesures de crise. Today is a very important day in Baghdad. Bremer passa les quatre premiers mois à signer des décrets tout droit sortis de l'école de Chicago. Rumsfeld décrivit les nouvelles lois irakiennes en matière d'investissement et d'impôts comme les lois les plus avancées et les plus incitatives du monde libre. L'une des premières décisions de Bremer fut de licencier 500 000 fonctionnaires. Ce fut présenté comme une mesure de débatification, mais le démantèlement de l'État était aussi une mesure typiquement friedmanienne. On promit des aides pour la reconstruction. Our investment in the future of Afghanistan and Iraq is the greatest commitment of its kind since the Marshall Plan. Mais dans la réalité, les choses furent tout à fait différentes. Le plan Marshall avait pour objectif de relancer l'industrie européenne, alors que l'argent de l'aide américaine en Irak est allé dans les poches des compagnies américaines. Quand du travail provenait jusqu'aux Irakiens, c'était tout au bout d'une chaîne de sous-traitants. Creative Associates reçut plus de 100 millions de dollars pour rédiger des programmes éducatifs et imprimer les nouveaux manuels scolaires. La société de conseil en management et technologie Bearing Point reçut 240 millions de dollars pour élaborer un modèle économique basé sur le marché, applicable à l'Irak. La société RTI, basée en Caroline du Nord, toucha 466 millions de dollars pour ses conseils afin d'introduire la démocratie en Irak. Et Halliburton reçut 20 milliards de dollars pour ses frais, en plus de ses contrats irakiens. Parsons reçut 186 millions de dollars pour construire 142 cliniques. On en construisit seulement 6. La fourniture d'eau et d'électricité ne s'améliorera pratiquement pas, malgré les milliards dépensés pendant les quatre premières années. We're going to succeed here, and when we succeed here, we will have done something important, not just for 25 million Iraqis. We will have done something that serves Western interests in this whole region. Même la nouvelle monnaie irakienne était imprimée à l'étranger. Let me show you an example of these notes. Les Américains allèrent jusqu'à payer des entreprises privées pour qu'elles contrôlent le travail des entreprises privées qui avaient obtenu des contrats. I was in Baghdad in 2004, and this is the period when bombs started to go off regularly in Baghdad. In fact, the night that I arrived, a bomb went off very near our hotel. But what was really striking to me in this period was that despite the violence and despite the chaos, the next day, Iraqis were out in the streets protesting. 19 killed and 100 injured in Najaf. And what they were demanding at this time was elections, the right to actually have a say in what the post-Saddam era would look like. Now, in the early days of the occupation, the protests were peaceful, but as time went on and the protests didn't have an effect, more and more Iraqis joined the armed resistance. La violence devint le lot quotidien.
Comme en Amérique du Sud 30 ans auparavant, les corps étaient souvent jetés au bord des routes afin d'intimider les opposants. Voilà les disparus d'Irak. Il fallut prendre des mesures extrêmement violentes pour supprimer l'opposition. Pendant les trois premières années et demie d'occupation, 61 500 Irakiens furent arrêtés. Au printemps 2007, 19 000 étaient encore emprisonnés. En prison, ils subirent des interrogatoires dont les techniques remontaient à celles que la CIA avait mises au point à la suite des expériences du docteur Cameron dans les années 50. Selon la Croix-Rouge, les autorités militaires américaines reconnurent qu'entre 70 et 90% des arrestations en Irak étaient arbitraires. Le chaos irakien ressemble bien à un échec pour la thérapie de choc. Mais le capitalisme du désastre n'allait pas s'arrêter là pour autant. Le désastre lui-même présentait une bonne occasion de s'enrichir. Les dépenses militaires américaines ont pratiquement doublé depuis 2001. Elles frôlent maintenant les 700 milliards de dollars par an. Déjà en 1961, le président Eisenhower, qui était pourtant tout sauf un homme de gauche, soulignait les dangers d'un appareil militaire trop puissant. Now this conjunction of an immense military establishment and a large arms industry is new in the American experience. We must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes. Il n'y a jamais eu dans l'histoire récente de guerre aussi privatisée que cette guerre en Irak. La zone verte de Bagdad est une version extrême de ce qui se passe ailleurs sur la planète. On a là un monde privatisé qui vit en sécurité, protégé du chaos extérieur. En 1991, pendant la première guerre du Golfe, pour 100 soldats réguliers, on trouvait un contractuel privé. En 2003, au début de la guerre en Irak, pour 100 soldats, on comptait 10 contractuels. En 2006, pour 100 soldats, il y avait 33 contractuels. Un an plus tard, pour 100 soldats, il y en avait 70. En juillet 2007, il y avait plus de contractuels en Irak que de soldats réguliers. On était bien au-delà de ce que Milton Friedman lui-même aurait osé rêver. The only things I would not denationalize are the armed forces, the courts, and some of your roads and highways. L'une des plus importantes sociétés de sécurité était la société américaine Blackwater. En avril 2004, pendant le soulèvement de Najaf, Blackwater prit le commandement des opérations malgré la présence des Marines. Des dizaines d'Irakiens furent tués lors des combats. Les États-Unis avaient garanti aux mercenaires qu'aucune loi irakienne ne s'appliquerait contre eux. Ils opéraient donc en toute impunité, un peu comme à Guantanamo. I asked your Secretary of Defense a couple months ago what law governs their actions. Mr. Rumsfeld, I'm going to ask him. Go ahead. Help. Well, I was hoping. De même que la thérapie de choc de Cameron laissait ses patients perdus et brisés, les multiples chocs infligés à l'Irak ont réduit le pays à un violent chaos sectaire, sans foi ni loi.
À l'époque de l'exécution de Saddam Hussein en 2006, un millier d'Irakiens étaient assassinés chaque semaine. En avril 2007, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés estimait à 4 millions le nombre de personnes qui avaient dû quitter leur maison. Des centaines de milliers d'Irakiens étaient morts. I think the historians will write very clearly that we did a great and noble thing here. ضد الارهاب الامريكي لان الامريكان يقتلون النساء ويعتقلون النساء ويقتلون الاطفال ويهينون الشيوخ.